Bon, je viens de te tourner une vidéo dans laquelle je te montrais comment j'enlève mes vanilles que j'ai gardées pendant plus d'un mois. Là, on va passer au masque. Je sais pas, sincèrement, je n'ai pas de masque, donc j'ai pris ce que j'ai dans la maison. On va faire un masque, hein, parce qu'il faut faire un masque, parce que là, je n'ai pas préparé de masque à faire un masque spécial. Je vais quand même utiliser la poudre de Rasoul. Ensuite, ça c'est de la poudre de Henné. Je vais utiliser cette huile que je veux terminer. Et j'ai de la provitamine B5 que je vais rajouter plus de l'eau. Je n'ai même pas de lochette quoi. Bref, je vais prendre de l'eau robinet. Bref, en tout cas, je vais faire quelque chose d'assez rapide parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Et voilà, qu'est-ce que j'allais rajouter? Je pouvais utiliser un pot de yaourt nature, mais je garde les yaourts pour mon fils. Donc, du henné. Le henné, c'est bon pour fortifier les cheveux. Je trouve que garder des tresses pendant longtemps, ça fragilise quand même les cheveux. Donc, je pense que je vais mettre tout. Est-ce que c'est le henné qui colore les ongles? J'espère que ça ne va pas colorer les ongles. Et ensuite, je rajoute un peu d'eau. Une cuillère en bois ou en plastique. Donc, j'obtiens cette belle texture de pâte à gâteau. Je sais pas si toutes les pâtes à gâteau sont comme ça. Bref, tu vois, une texture assez ferme. Moi, je n'aime pas les textures trop liquides. Parce que après ça dégouline et c'est pas intéressant. Je vais rajouter cette huile là que je veux absolument terminer. Est-ce qu'on va tout mettre? Heureusement que je n'ai pas tout mis, même celle que j'ai mis, la quantité que j'ai mise, je ne sais pas si tu peux voir, mais n'arrive pas à bien se mélanger à cette pâte. Donc imagine, si j'avais tout mis, ce serait une catastrophe. Voilà, j'aime bien la texture de la pâte, ne te renverse pas grâce. Non, pas grasse quoi, la pâte. Je vais rajouter de la provitamine. Juste histoire de rajouter quelque chose. Sinon c'est possible de faire ça le plus simplement possible. C'est-à-dire juste du rasoul et du henné par exemple, ou une autre poudre. Moi, j'utilise le rasoul pour faire un nettoyage quand même assez profond. Je sais que je pouvais utiliser le savon noir, mais si j'avais utilisé le savon noir, il fallait que je fasse encore un masque. Alors que là, avec le rasoul, j'ai plus besoin de faire un masque. C'est un 2 en 1, quoi. Shampoing, masque. On gagne du temps. Bon, c'est bon. On va commencer l'application. C'est pareil. Les cheveux en section, comme d'habitude. Vous pouvez les humidifier si vous les trouvez trop secs. J'ai encore des vanilles. Tu te rends compte? J'ai défait ses cheveux et j'ai encore des vanilles. J'ai encore des tresses. Est-ce que c'est normal? Non. La batterie est déchargée. Donc il faut que je la change. Et mon ventre en train de garder. C'est la fin. Bref, écoutez, je change de batterie et on se retrouve tout de suite.
Bon, batterie remise. J'ai pris la deuxième batterie, donc là c'est bon, on peut y aller pour l'application du masque. Voilà, c'est fait. Je vais laisser poser pendant 30 à 45 minutes, voire une heure. Ensuite, je rince et je te retrouve pour la suite, quoi. Voilà. Des cheveux super doux. Je sais pas si tu peux t'en rendre compte, super doux. Et je suis en train de regarder au niveau des miroirs, des cheveux de la maison. Je suis grave. Mais bref, waouh, je sens que mes cheveux sont bien propres. Je sais pas si tu peux bien voir. Les boucles sont définies. J'aime trop. Voilà pour mon masque du jour. En tout cas, ça m'a fait vraiment du bien. Je ne m'attendais pas à ce résultat. Mes cheveux sont vraiment souples. Ils sont doux. Vraiment, je ne m'attendais pas à ce résultat. Très, très beau résultat. Alors, je voulais juste signifier quelque chose. C'est pas du henné. C'est pas du henné. Je vais y arriver. C'est pas du henné neutre que j'ai utilisé. Voilà. Le henné qu'on voit ici chez nous, c'est pas du henné neutre, c'est du henné qui colore. Même si moi ça m'a jamais coloré les cheveux, mais c'est du henné normalement qui colore. C'est peut-être pour cela que la couleur de mes cheveux tient, parce que de temps en temps, en fait, j'utilise ce henné là. Donc voilà pour le résultat. Je sens que la vidéo t'a plu. Je vais l'arrêter ici pour faire une autre vidéo dans laquelle je te montrerai comment je vais faire mon wash and go avec des nouveaux produits. Les produits que tu as vus dans le haul. Oui, je pense que cette vidéo va apparaître après le haul. Bref, donc si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner. J'attends. J'attends que tu t'abonnes.
J'attends que tu t'abonnes. Like aussi. J'attends que tu likes. Laisse-moi un petit commentaire et moi je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien et prends soin de toi. Et surtout, enjoy your life. Bye bye.